Les chaussettes de l'archiduchesse sont elles sèches, archi sèches. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, papap. Je suis passé chez Soche. Allez, on y va. Hyperdrive et Zone 52 présentent les Chroniques Galactiques. Oh, oh, oh. C'est pas mal. Non mais c'est bien. C'est bien. Ouais, y a de ça. Un boulard allemand mais qui a été avec une VF de merde par dessus. Par contre méfie-toi parce que généralement ça va finir au... mais voilà, là je suis tout naïf. Je suis tout naïf. Ah, finir au bêtisier normalement. Non, de fin d'année. Après il y a une édition spéciale avec tous les bonus. C'est silence. Du calme madame. Calmez-vous, hein, c'est pour de faux, là. Attention, okay. On est quand même sur une fiction Star Wars, on n'est pas sur du... Plus belle la vie. Ouais, voilà, exactement. Alors, faut y aller à fond. On est dans le secteur Calamite, aux abords du système Tropawa. Toprawa. Toprawa. On est dans le secteur Calamite, aux abords du système Tropawa. Toprawa. Ah oui, d'accord. Donc, le Stormtrooper 3, c'est Antoine. Le 1, c'est Bertrand. Le 2, c'est Dune. Et ça commence 3-2-1, ce qui n'a absolument aucun sens, mais... Mais on s'en fout. Sur le moment, ça me paraissait pas mal. Ok, c'est parti. Alors, la première scène, scène 1. Ah. Ah non, non, c'est un cri de douleur. T'es en première ligne. Là, c'est gros plan et tout. Il y a un travelling avant et ça se termine sur ton visage. Un travelling compensé. Compensé en plus, ouais, c'est exactement. Ça, putain. Okay. Lieutenant, on a trouvé 2 soldats impériaux. Alors, la liaison, je suis pas sûr, moi. Des soldats impériaux. Non, la liaison me choque un peu à l'oreille, peut-être pour la VF. Je pense que... 2 soldats impériaux. Ouais, moi j'ai 2 soldats impériaux. 2 soldats impériaux. On a trouvé 2 impériaux. Ouais, 2 impériaux. On a trouvé 2 impériaux, puis il va pas dire soldats impériaux, c'est un rebelle, ouais, ils vont chier et tout. Ouais. 2 soldats impériaux aussi, si. 2 soldats impériaux. Si, mais dans le contexte d'une guerre intergalactique, je trouve que ça fait un poil précieux. C'est pas... D'autant plus qu'ils ressortent d'une bataille énorme, ils sont crevés et tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Monsieur, nous avons trouvé 2 soldats impériaux. Kenenni. Kenenni. Parfait, merci. Tout est ok. Bon là, fusillade de ouf avec des cris. Les chroniques galactiques. Les chroniques galactiques. Oh, j'ai l'impression que j'ai éjaculé. Enfin bon, attends, je recommence, Willem. Oh, 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 oh. C'est bon. Non, mais ne ris pas quand je fais les gémissements. T'en as fait 42, gémissements. Oh, allez, c'est bon. C'est bon, Willem. Merci, Willem. Est-ce que tout est OK, monsieur le marchand? Répondez-moi, il y a un problème avec mon blaster ou quoi? Ah, je le refais. D'accord, oui. Ok, j'avais pas compris qu'on la refaisait. D'accord, ok. Silence. Et en fait c'est deux impériaux en fait, tu maintiens. On a trouvé 2 impériaux. Mais sur le haut, pas sur lui. 2 impériaux. Oh putain, il m'a fait chier. Lieutenant, on a trouvé 2 impériaux. Ouais, alors, c'est pas mal. Mais on va la refaire. Lieutenant, on a trouvé 2 soldats impériaux. 2 impériaux, merde. Lieutenant, on a trouvé 2 impériaux. Non, tu vois, peut-être même plus un peu inquiet, tu vois, genre, lieutenant, on a trouvé 2 impériaux. C'est écrit normal, faut c'est pas bien. Faut coordonner les mecs, hein, parce que là, c'est pas du boulot. Hein. Non, mais écoute le réalisateur. Lui, c'est le producteur exécutif, il pense qu'au pognon. Ouais, il faut que ça rapporte. Grosse. Faut pas que ça coûte cher. On peut pas refaire 40 fois les... Lieutenant, on a trouvé 2 impériaux. Et c'est des soldats. Impériaux. Bon, il y a un final cut de toute façon par la prod. Ouais, refais là, ouais. Plus. Lieutenant. Plus. Ouais. Exactement. Alors, tu sais quoi, on pourrait inverser, c'est-à-dire, on a trouvé 2 impériaux, lieutenant, tu vois, comme ça. Ouais. Peut-être que ça marcherait mieux. T'es vachement surpris de les trouver et tu flippes un peu. Hein. C'est après la bataille de Yavin, c'est ça? Ouais. Donc, l'étoile noire vient de péter, tu dis, c'est bon, là je vais pouvoir rentrer chez WAM. Et là, tu vois des impériaux. En plus, je suis vivant. Ouais. Et donc, genre là, putain, c'est pas fini, quoi. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est encore la merde, je vais me faire tirer dessus. J'ai échappé à l'étoile noire et je vais me faire buter par 2 connards, là. Donc, ok. En plus, dans son enfance, il avait. Vous savez pas à qui vous avez affaire? Bon, bah, il a l'air de tenir ce composateur d'eau. Bon, et bah, ça a l'air de tenir ce composateur. Ah. Okay. Bref, etc. Et merde, ah bah non, mais je me suis planté. Alors sinon, non, en fait, je pense qu'il faut faire, ce qui peut marcher,
C'est du genre, le lieutenant, il est à 10 mètres dans la jungle, et tu gueules pour qu'il t'entende. On a trouvé deux impériaux, lieutenant. C'est pas mal. Refais-la. Lâche-toi. On a trouvé deux impériaux, lieutenant. Et bah voilà, on la tient. Impeccable. Et là, t'es monté, là, à la fin. Des soldats. Des soldats. Des soldats, ça. On va aussi te prendre une caisse de... J'ai toujours eu du mal avec ça. Donc, je... Ouais. Deux. Okay. Un. Ok, donc du coup, c'est... D'accord. Je suis désolé, je suis oui, chiant. Oui, hein. Sortez de là, c'est gratos. Non, mais j'essaie de... Bah en fait là pareil, on va la faire exactement pareil, en gueulant pareil en fait. Parce que tu vas pas t'approcher, t'es bah pas oui, con, tu es à distance avec ton arme. Je mets une virgule après là. Attends, parce que moi j'ai plus mes textes là. Après moi j'ai les mains en l'air, sortez de l'alentement. De l'alentement ? De l'alentement. C'est bon, sortez de l'alentement. Donc il y a une virgule. Donc, y a une virgule. Ouais, enfin si tu veux, mais... Non, c'est comme tu choisis. Les mains en l'air, sortez de là, lentement. Bah, je vous propose qu'on en parle après. On finit on finit les fermes-là. Ferme-là ! Mais ferme-la ! Ouais, mais tu sais, on modifie les textes en même temps, tu vois, quand t'es un scénariste, réalisateur, tu changes les trucs pendant le tournage. Sortez-la lentement! Bah putain de merde! Plus fort! Sortez de là! Plus fort! Lentement! Les mains en l'air! Sortez de là! Lentement! Ferme-la! On peut tout refaire, ouais, on refait tout! Pardon. On laisse de la liberté aux acteurs aussi, tu vois, parce que c'est chiant, les mecs, sinon ils s'éclatent pas dans leur boulot. Ferme-la! Bon, on la refait. Allez! Redresse-toi, écarte bien les épaules pour ouvrir les trucs là! Des trucs pour respirer. Les ouïes. Impeccable. Allez, maintenant tu peux faire ton ferme-là. Ferme-là. Ouais. Vas-y. Dieu. Très bien. Ça marche mieux, ça, bizarrement là. Hein, là, ça glisse, hein, pas de problème. Je sais que c'est pour Jérémy. Tu vas fermer ta gueule. Alors. Tu fais le flic du sud. Mais sinon, c'était très bien. On va la refaire juste. Voilà. Rester sur ces positions-là et on se la refait une dernière. Halte là, soldat. Que faites-vous? Et là, tu... Alors ça aussi, c'est important, c'est la même chose que l'interrogatoire de l'Empire, sauf qu'on se fait un interrogatoire par les rebelles. C'est une intrigue à tiroir. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, très bien. Ouais, parfait, parfait, parfait. Ok, fin de tournage. Bravo, bravissimo. Eh ben, merci beaucoup, les gars, parce que grâce à ça, là, si j'ai... Pas un Oscar avec ça. J'ai 4... Non, mais j'ai 90% des voix dont j'ai besoin, donc je vais pouvoir commencer à faire le montage comme un dégringo.